Et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la Digifoire de Pau en plein cœur du hall Aragon au parc des expositions de Pau, là où normalement se tient une foire en mode présentiel. Malheureusement, cette année, vous le savez, crise sanitaire oblige, impossible de se réunir comme à l'accoutumée, comme chaque année depuis 72 ans maintenant. Alors place à un format original qui vous permet deux choses. D'abord, celle de vous informer, de vous divertir, même à distance, car oui, cela est possible, et ce grâce aux multiples émissions, aux multiples rendez-vous que nous partageons ensemble et que vous pourrez ensuite consommer à l'heure et au jour de votre choix jusqu'au 31 décembre prochain. Et puis place également une visite virtuelle vous permettant de découvrir quelques 120 bonnes adresses avec des exposants qui sont à la fois issus du monde marchand, des commerçants, des exposants qui vous offrent un choix incomparable pour des achats de qualité, et puis également des forces vives de la culture, du sport, du monde associatif, comme ceux que nous allons recevoir aujourd'hui. L'ensemble de ces exposants sont réunis au travers de 9 grands univers que vous pourrez visiter à la vitesse, encore une fois, qui sera la vôtre jusqu'au 31 décembre, et bénéficier chaque jour, pourquoi pas, de très nombreuses remises et offres promotionnelles qui, tout le long d'ailleurs de la discussion que nous allons avoir avec nos invités, vont apparaître sur le côté de l'écran, juste à côté de nous. www.foiredepau.com, c'est le rendez-vous donc de toutes les forces vives du territoire, comme d'ailleurs l'est la Foire de Pau. Et pour cette nouvelle émission, Le Temps des Seniors, réalisée avec la complicité du magazine Presse Purée et de l'association Presse Purée, de son magazine spécifique, Ces seniors, nous allons aujourd'hui nous consacrer spécifiquement à des acteurs venant du monde associatif. Nous allons les recevoir dans quelques instants. Nous parlerons de l'association Cercle Bleu, dont Georges Cressigny est le fondateur. Cette association qui travaille en particulier autour des questions liées aux dons d'organes. Il nous expliquera de quelle façon tout à l'heure. Puis nous recevrons l'Association nationale des hospitaliers retraités avec Didier Mourat, qui en est le vice-président. Là également, une association de 1901 qui entretient des liens de solidarité, d'amitié, de convivialité autour de tous les retraités venant du monde hospitalier, et puis plus largement de tous les retraités d'ailleurs, de leurs conjoints, amis. Ne nous limitons pas, loin s'en faut. Ils sont nos invités après le générique de cette nouvelle émission, Le Temps des Seniors, que voici. Dans ces rendez-vous que nous réalisons depuis ce plateau, nous avons à la fois des structures dont parfois on connaît bien les symboles ou dont on connaît bien l'action. C'est le cas du Cercle Bleu, mais qui mérite qu'on s'attarde davantage sur les messages qu'elles véhiculent, sur le poids qu'elles ont également pour faire bouger la société au travers d'une certaine ligne. C'est ce que nous ferons avec Christian dans quelques petites minutes tout à l'heure. Mais avant cela, on va commencer par faire connaissance avec une association qui peut être moins connue du grand public, parce qu'elle a moins finalement d'emprise sur le domaine public, dans les espaces où, contrairement au Cercle Bleu, on voit bien le signalement, etc. C'est votre association, Didier Mourat. Vous êtes vice-président de l'Association nationale des hospitaliers retraités. Et j'ai envie de vous poser une question toute simple. L'origine de votre structure, et puis finalement ce que vous représentez, ce que vous pesez en nombre d'adhérents, et puis on parlera évidemment de votre objet. Alors d'abord, d'où venez-vous ? En fait, pour ma part, je suis retraité du centre hospitalier universitaire de Toulouse, mais retiré à Jurançon. De ce fait, j'ai pris contact avec la section locale du département de cette association nationale des hospitaliers retraités. Nous sommes 3500 au niveau national et nous sommes au niveau local dans le département, plus de 180. Cela fluctue. Nous avons des soucis puisque cette année, la baisse des activités va sûrement faire s'effaroucher un certain nombre d'adhérents potentiels. On va perdre de vue un certain nombre d'adhérents. Faut parler bien près du micro. Pardon, merci. Donc, en l'occurrence, nous sommes 180 et nous avons été fondés en 1970, donc cela fait quelque temps déjà. Et nous sommes appuyés, c'est pour ça aussi peut-être que nous sommes discrets, nous sommes appuyés sur les structures hospitalières. Notre activité est appuyée sur les hôpitaux. On est beaucoup moins dans la cité que d'autres associations, bien évidemment. Mais on s'aperçoit avec le temps
que nos activités, les loisirs, les échanges d'informations, le partage, le contact avec les nouveaux retraités, un certain nombre de conférences nous mettent dans le même cadre que les retraités habituellement. Et de ce fait, nous sommes et à la fois ouverts et nous participons avec d'autres associations à d'autres activités croisées. Le SIAPA, par exemple. Absolument, qu'on a reçu encore hier. Les membres qui constituent votre association, ils viennent à la fois des centres hospitaliers publics, privés, parce que dans le monde hospitalier, il y a plusieurs familles. Mais est-ce que dans votre structure, finalement, à un moment donné, vous vous retrouvez tous? Oui, nous sommes au moins les 50 métiers des hôpitaux, depuis les services généraux, les services administratifs et surtout les services de soins, les services médico-techniques comme les laboratoires, comme la radiologie ou les kinésithérapeutes. Et nous travaillons soit en clinique, soit en établissement hospitalier, soit en EHPAD. Ce sont les métiers médico-sociaux et hospitaliers qui sont fédérés dans notre association. Et parmi les objets de votre association, il y a pour vous, pour les conjoints, pour les amis, je pense également, qui sont autour de vous, un certain nombre d'activités. Et puis, il y a également des engagements forts en termes de solidarité. On va peut-être commencer par les activités. Oui. Au niveau des activités, on a trois activités essentielles. Une activité d'information mutuelle. Nous faisons ça au travers de réunions mensuelles à l'hôpital de Pau, trimestrielles à Bayonne, à Saint-Palais, à Mauléon, Oloron, Orthez ou Naye. Mmh. Nous nous déplaçons pour nous rapprocher effectivement des personnes qui, parfois avec l'âge, ne peuvent plus se déplacer comme avant. Donc, réunions d'information, c'est à la fois des réunions thématiques. Nous travaillons sur une actualité, le prélèvement à la source, par exemple, pour essayer de diffuser et de partager nos propres expériences. Quand on croise la dépendance dans nos familles, ce sont des sujets de conversation et d'échange qui permettent de franchir des seuils parfois délicats, des deuils, etc. Problèmes de santé, problèmes économiques. Tout cela fait partie de ces réunions et de ces échanges. Nous avons aussi la chance, avec les hôpitaux, d'avoir un appui sur des savoirs médicaux, des savoirs infirmiers spécialisés qui nous aident à partager de la prévention, à démarrer de la prévention. Donc, nous faisons des conférences orientées sur la santé. Nous sommes également branchés, grâce à la police, sur les arnaques. On a la sécurité routière, un certain nombre d'appuis et d'informations précises avec les bonnes adresses pour pouvoir prévenir les anomalies de la vie sociale, si vous voulez. J'ajouterai les problèmes financiers qu'on peut se poser, soit avec les impôts, soit avec les assurances, soit avec les placements. Donc tout ceci fait partie des informations que nous diffusons et que nous partageons. Nous avons aussi des activités, si vous me permettez d'en parler un petit peu, de loisirs. C'est le deuxième volet de notre activité. Et nous avons au minimum une sortie d'une semaine par an à l'étranger. Ça a failli être le Tyrol cette année, ça a été la Galice, ça a été l'Irlande il y a peu. Donc tout ceci fait partie des projets grands que nous partageons avec Grille. Et nous sommes également abonnés à des séances d'une journée. On projetait d'aller à Marquès, nous avons fait des pique-niques qui permettent à la fois des visites. On était à Bitaram le 22 septembre dernier. Donc visiter le calvaire en cours de rénovation, c'est quelque chose d'intéressant. La chapelle de Bitaram représente aussi quelque chose. Donc, la période que nous traversons actuellement doit bouleverser complètement et vos calendriers. Et puis ce que vous pouvez, ce que vous allez arriver à faire, alors qu'on parle sans cesse de distanciation physique nécessaire. On a réussi le pique-nique malgré les masques. Le masque, le covoiturage effectivement limité. Vous parlez bien près du micro, excusez-moi de vous le rappeler, merci. Donc ce pique-nique a été une occasion unique effectivement de nous voir en personne, de nous croiser en personne. Nous n'étions que 11, mais 11 c'est un exploit puisque nous sommes à zéro depuis le mois de mars. Mars, nous ne faisons rien que de la communication par le blog. Nous avons un blog d'information qui alimente un article par jour d'information générale, d'information administrative, fiscale. Mais nous n'avions que les contacts par messagerie. Donc le pique-nique récent a été une occasion tout à fait privilégiée de nous revoir et de vérifier qu'on allait à peu près bien et qu'on maîtrisait les gestes barrières et qu'on les maîtriserait dans le proche avenir, puisqu'on prévoit en solidarité avec les hôpitaux une deuxième vague assez importante dans les jours justement, vous qui êtes des anciens tous professionnels du monde hospitalier, de la santé en général, du médico-social, quel regard vous portez sur cette période tout à fait inédite que nous traversons actuellement et plus généralement d'ailleurs, et vous me direz si vous avez envie ou le droit de le dire, on ne s'est pas concerté avant, quel regard vous portez sur l'évolution des métiers de santé desquels vous êtes tous issus professionnellement ?
Oui, nous sommes face à une circonstance tout à fait agressive et qui risque de durer, puisqu'on n'a pas actuellement de remède trouvé, de vaccin non plus. Donc là, actuellement, le seul remède, c'est effectivement les précautions, que ce soit les gestes barrières. Et d'ailleurs, je le précise pour chaque émission, je ne l'ai pas encore fait, nous nous autorisons à enlever le masque parce que nous restons à des distances extrêmement importantes, que nous avons préparé vos emplacements, messieurs, avant votre arrivée, en les désinfectant, en aérant l'espace. Et on vous équipe de micros et des bonnettes spécifiques, nettoyées, pris en prenant en compte le plus possible, en effet, la sécurité des uns des autres. C'est pour ça que nous nous autorisons donc à enlever ces masques. Mais dès que les interviews sont terminées, nous remettons nos masques les uns les autres dans ce plateau pour évoluer, nous croiser, converser, parce que évidemment ces gestes barrières, on le redit encore une fois, sont absolument indispensables, quoi qu'on en pense, dans la situation que nous traversons. Pour répondre à votre question sur les hôpitaux, c'est sûr qu'actuellement la crise vit dans les hôpitaux, du fait à la fois peut-être de la limitation en nombre de lits pour admettre tous les cas qui entrent à l'hôpital, qui entrent à un degré de gravité certain. Et les métiers hospitaliers doivent s'adapter, mais ils se sont déjà adaptés. C'est un savoir qui est en train d'être acquis, d'être maîtrisé. Ce qui manque, c'est peut-être les structures en lit, de la marge de manœuvre, pour mener en même temps toutes les autres missions. Les missions classiques de l'hôpital, l'hospitalisation de cas programmés ou de cas d'urgence, doit continuer à être assurée. Et ceci concerne aussi d'ailleurs les cliniques, puisque les cliniques, dans cette démarche, devront de plus en plus être intégrées. Quant au métier, je pense qu'il y a un souci, c'est celui d'une charge de travail mentale considérable. Ce qui explique ce qu'on a vu encore cette semaine, une des journaux nationaux, ce ras-le-bol. Mais quand j'ai ras-le-bol dans le sens épuisement, parce qu'il y a plusieurs formes de ras-le-bol, etc. Là, c'est un ras-le-bol d'épuisement de très grand nombre de membres du corps médical. Voilà. Le problème se traduit par à la fois des départs, une usure physique, une usure mentale, mais également un problème de recrutement. C'est-à-dire que les vocations face à cet enjeu, face à cette pression, ne sont plus aussi fréquents et donc on a des difficultés à trouver infirmières, trouver même des médecins, que ce soit dans les urgences ou que ce soit dans les postes de réanimation. Ce sont des métiers de plus en plus lourds, certainement. Alors, face à vous ou avec vous, parce que là, le face-à-face n'est encore une fois que pour les distances, il y a Georges Christine. Je vous ai appelé Christian tout à l'heure dans un mauvais moment. Ça ne fait pas jamais que, combien ? Presque 30 ans que nous connaissons, vous et moi. Un tout petit peu plus. Et même un petit peu plus peut-être. 1991, c'est l'année où vous avez créé cette association Cercle Bleu, une association de 1901 que vous avez fondée au Parlement de Navarre, d'ailleurs à Pau, créée pour une meilleure prise de conscience de la fin de la vie et de la transplantation d'organes. Et ce, j'ai envie de dire, dans le grand respect des convictions, des consciences, des religions de chacun. Parce que ça veut dire que pour vous, déjà en 1991, parler du don d'organes, il fallait le décorréler de toutes les croyances que l'on pouvait avoir. En réalité, j'espère que ça fonctionne. Oui, allez-y, on vous entend très bien. Je suis âgé quand tu me rencontres, parce que j'ai commencé 25 ans auparavant. Je suis le créateur de l'ADOT dans le département. Et l'ADOT était une association national, dans lesquels on privilégiait le don d'organes. Je suis rentré dans cette association par le hasard, parce que je suis responsable des donneurs de sang depuis 10 ans auparavant. Donc, dans un congrès à Bordeaux, on demande qu'est-ce qui veut s'occuper de ce problème-là. Pour le sud de la France, eh bien, je suis choisi parce que je suis le seul. Ça aide au choix. Comment ? Ça aide au choix. Mais au-delà de ce que faisait ADOT, vous êtes dit, on peut poser la question de la transplantation du don d'organes d'une autre façon. Exactement, parce que mon problème, c'est qu'auparavant, je suis chercheur en pédagogie. Je suis à l'origine de la philosophie du musée de la Villette. C'est-à-dire, c'est la pratique du choix, de l'expérience, de l'autonomie. Et quand je me trouve dans une structure comme le don du sang, je suis celui qui fait évoluer l'idée et la fédération a pris l'appellation fédération pour le don du sang et non plus la fédération des donneurs de sang. Et c'est parti de Monin, dont j'étais avec Christian Rose, le président. Donc la fédération française des donneurs de sang est devenue la fédération pour le don du sang bénévole. Et là, c'est on pareil. Fait basculer
Oui, c'est ça, le point d'entrée, entre guillemets, déjà du raisonnement et donc de la décision. Et c'est bien ça qui a prévalu à la création de ce fameux cercle bleu. Ben oui, parce que ce fameux cercle bleu, il avait besoin d'un nom. Et le nom, je l'ai trouvé pendant quelques années. J'étais avec Christian Cabrol à Paris, dans le cadre de la DOT. Mais quand l'idée du respect, l'idée du choix est entrée dans les esprits, m'a fallu trouver un référent, eh bien, je n'ai trouvé que le professeur Barnard, premier transplanteur de cœur du monde qui m'a dit en Afrique du Sud. Et c'est le début d'une aventure qui termine ici chez toi. Oui, qui est loin d'être terminée. Ce n'est qu'un passage. C'est qu'un passage. comme d'ailleurs le fait de passer devant des panneaux. Là, on est devant Monin, d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien, Monin, vous l'avez rappelé. Oh, tiens. On est devant Monin, mais on pourrait choisir plein d'autres communes qui ont fait ce choix d'afficher ce cercle bleu qui a une signification tout à fait particulière. Parce que l'idée du cercle bleu, c'est de faire se poser la question aux uns et aux autres. Peut-on ou pas, a-t-on envie ou pas, est-on en capacité ou pas de prendre une décision, de se positionner par rapport au don d'organes, en toute liberté, quelle que soit finalement la décision qu'on va prendre? Oui, je suis prêt à donner mes organes s'il m'arrive quelque chose. Non, je ne le souhaite pas. L'idée, c'est de se prendre une décision. Pourquoi prendre une décision? C'est si important que ça par anticipation. Alors, je vais te apporter un complément. En tant qu'enseignant, j'avais instauré la liberté. Hein? Donc, dans les classes, il y avait des enfants qui s'investissaient, des élèves qui s'investissaient, d'autres qui étaient davantage en retrait pour des raisons soit de non-intérêt ou alors des raisons personnelles. Oui. Ce qui fait que l'idée de ne pas faire est rentrée dans mon esprit. Le choix s'imposait. Et ce choix, il commençait par, habituellement, on dit oui ou non. Et j'ai inversé la formule sur le plan de certaines associations. On est maintenant dans le non ou oui. Et oui, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ah, merci de... Absolument, mais ce qui n'est pas tout à fait pareil, surtout pour des questions aussi sensibles que celles-ci et avec des obligations de se décider dans des circonstances particulières lorsqu'il faut que la famille, que les gens autour de soi prennent la décision. Parce qu'en réalité, c'est là où le moment est critique. Alors, je vais apporter le bémol qui est important. Allez-y. C'est que ce ne sera pas la famille avec le cercle bleu. Depuis que le cercle bleu existe, c'est la personne qui décide. Mais justement, c'est la personne qui décide, c'est ça. Voilà. Et que personne ne peut maintenant modifier son avis. Absolument, car, mais c'est ça qui est important, bien sûr. Car le cercle bleu, c'est la seule association actuellement connue, d'après moi, mais je maintiens mon niveau de connaissance de façon permanente, c'est la seule qui est déposée à la CNIL. Absolument. Ce qui fait qu'une décision prise par une personne ne peut être modifié que par cette personne. Et qu'en cas de décès, on ne peut pas revenir dessus. Non, mais c'est pour ça que je le dis, parce que jusqu'à présent, lorsque vous avez un accident qui survenait, c'était un choix terrible, quelque part, pour les proches, pour ceux qui restaient, d'arriver à se prononcer, et souvent en disant, mais qu'aurait-il souhaité? Qu'aurait-elle souhaité? Et à des moments où la douleur, la souffrance fait que, en plus, la réflexion, elle est forcément subjective. Et là, quelque part, vous donnez une forme d'outil d'aide à la décision, mais pour celui qui peut en faire le choix, pour soi, finalement. La décision est difficile à prendre, d'autant plus. Alors, je vais te donner une précision. L'association Cercle Bleu, c'est la seule qui, en 44 ans, a effectué 50 sondages. On s'est arrêté à 50, je vais dire pourquoi. Nous n'avons jamais dépassé plus de 10 personnes qui acceptent de se positionner à l'égard de leur fin de vie. Je répète. C'est-à-dire? Tu prends 100 personnes, oui. Tu donnes 100 papiers, oui. Tu attends un mois. Au bout d'un mois, il n'y en a que 10 qui te le renvoient. D'accord. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les sondages qui sont signaler la Sofres, l'IFOP, Opinionway, il y en a une quatrième. Chaque fois qu'elles émettent une idée, cette idée-là, elle a été véhiculée verbalement, mais il n'y a jamais eu la confrontation à l'écrit. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que le cercle bleu, il est à l'inverse de ce qui est dit. Les statistiques sont 80% pour, c'est faux. Et je trouve même que c'est malhonnête. Et ça relève même de l'escroquerie. Car ça met les gens qui ne se sont pas positionnés, oui, dans la situation de se dire « Ah, je ne me suis pas positionné, mais il y en a 80% qui le sont déjà, donc je ne vais rien dire. Oui. » En fait, la personne qui ne se positionne pas, elle rentre dans le champ des 90. Absolument. Que nous avons authentifié. Alors,
le bémol qui fait que le cercle bleu a pris une dimension nationale. Après, je vais rajouter les deux niveaux parce qu'on vient d'un. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a le niveau international. Vous me direz après. D'abord, national. Permettez-moi de le dire. Donc, nous sommes avec le cercle bleu et notre conseil d'administration, nous sommes 20 actuellement en France. Hein. Ouais. 20 décident, mais il faudrait pouvoir passer au deuxième stade. On a créé d'abord le non ou oui. Toutes nos feuillets, il y a marqué « dites non au don d'organes si vous ne voulez pas dire oui », ce qui est une modification. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes dans la délicatesse, nous essayons. Hein. Oui. Et ensuite, on s'est dit « eh bien, on va essayer de passer à l'abstention ». À partir du moment où il y a 90% de personnes qui ne disent rien, on va envoyer un papier à la CNIL demandant « est-ce qu'on peut noter l'abstention ?» Abstention qui signifiera « je délègue au corps médical le soin de décider pour moi et à nulle autre personne ». Alors, comme j'ai un représentant, alors certes, à la retraite du corps médical, j'en profite pour commencer à nourrir un début, non pas de débat, mais de discussion. Lorsqu'on est de l'autre côté, et la blouse blanche, pardon pour la caricature, mais c'est pour bien se le représenter, ce genre de décision prenable, pas prenable pour vous, comment vous appréhendez ce qui vient d'être dit par Georges, si en effet vous vous retrouvez, si des collègues maintenant, de jeunes confrères, se retrouvent avec ce choix-là également à faire? Prenez le micro, Didier Moy. Merci. En fait, je ne suis qu'administratif, mais je connais un peu les médecins pour les avoir croisés. Oui, vous venez du monde administratif, voilà, vous n'étiez pas, vous n'officiez pas avec la blouse, voilà, tout à fait. Non, mais les situations de don d'organes se sont posées, on s'est référé à nous, pour effectivement trancher dans le vif et essayer de savoir si la famille ne s'exprimant pas ou refusant de s'exprimer, on devait faire quelque chose ou pas. Il est certain que pendant bon nombre d'années, la loi n'a pas été aussi précise que maintenant. Mais laisser aux médecins le soin d'apprécier la situation et de trancher sans autorisation ou sans couverture ultérieure de responsabilité, les choses ne sont pas encore claires, me semble-t-il, dans la faculté. L'enseignement médical est peut-être en train d'évoluer, mais je ne sais pas vers où il va aller. Ouais. Je ne sais pas si c'est si facile que ça. C'est ça, Georges. Alors, je vais venir. Le point, je vais le faire. Pendant 22 ans, cet appareil est resté sous mon oreiller. Le téléphone portable. Et j'ai ma femme à droite. Voilà. Donc, on dort. Toutes les 4 heures, pendant 22 ans, j'ai consulté ceci. Oui. J'ai été appelé 5 fois, c'est-à-dire 5 fois en 22 ans, le corps médical a été confronté à une famille qui avait, dont ils découvraient que leur... Il faut vous rester bien près du micro. J'étais théâtral de moi. Pas de souci. Et donc, ils ont téléphoné parce que la famille n'acceptait pas la décision. Et je leur ai dit tout simplement... C'était soit un directeur d'hôpital, soit la famille qui était avec le directeur d'hôpital, soit le chirurgien qui voulait entreprendre un prélèvement. Et j'ai prévenu tout simplement, ah, vous faites ce que vous voulez, demain j'envoie ceci au tribunal et vous passez au tribunal. J'ai eu 5 appels, je n'en ai jamais eu plus, tu entends bien, en 22 ans. Ce qui fait que le cercle bleu est devenu maintenant un symbole qui fait peur. En tout cas, on ne peut pas outrepasser... La décision prise par une personne enregistrée à la CNIL ne peut pas être remise en question et les 5 appels ont été, tu vois, c'était... Et je vais préciser une chose. Mon action, elle est pour le corps médical. Uniquement. Je suis quand même... Pour faciliter... Pardon, je suis l'ami, pardon, je suis l'ami des 2 premiers transplanteurs de cœur du monde. Christian Barnard, les 2 Christian, ouais. Et Christian Cabrol. Et ils m'ont toujours secondé. Et leur façon, j'ai vu des transplantations de cœur, par exemple, tu vois. Donc, je suis celui qui est avec le corps médical totalement. Et donc, je fais en sorte que cette loi-là, qui est assez déculpabilisante, déculpabilisante, je dirais même, elle est déstabilisante. Elle dit, si tu n'as rien dit, c'est que tu es d'accord. C'est une formulation qui est fort gênante. Oui, oui, tout à fait. En droit. En droit, qui est un effet fort gênant. Mais vous allez jusqu'au bout de votre raisonnement, parce qu'aujourd'hui, cette prise de décision, vous aimeriez, alors qu'elle est symbolisée par le panneau qu'on va remettre
mettre là à l'image. Vous aimeriez qu'elle soit même, comment dire, presque apprise dans le code de la route, je crois. Ça, c'est votre nouveau, ça, c'est votre nouveau combat, parce que l'idée, c'est que comme vous avez tous ces panneaux aux entrées du village, et pas que celui de Monin, évidemment, moi, de ce respect des enfants, très souvent, c'est qu'est-ce qui veut dire ce panneau-là? Parce que vous savez, vous connaissez, on apprend tous un peu le code de la route avec papa, maman, enfin, ce qu'ils conduisent. Et ce panneau-là, en effet, vous aimeriez qu'il entre dans le code de la route, carrément. Alors, je te remercie, parce qu'il faut quand même savoir que le Cercle Bleu, il n'a pour partenaire que le ministère de l'Intérieur, qui nous a délégué une fonction sécurité routière. Ouais. Clairement, nous sommes pour le positionnement eux-mêmes. Ils ont dit, vous, circulaire ministériel. D'accord. Vous êtes pour la promotion du don d'organes. Alors là, c'était, j'ai laissé dire ça, mais alors que ça ne l'est pas. La formulation pour, d'accord. Oui, non, c'est non, ça. En fait, c'est positionnement. Hein, nous sommes positionnement. Et deuxièmement, sécurité routière. Ouais. Et alors, nous sommes là. On est avec un ministère de l'Intérieur qui nous reconnaît, qui sait qu'il y a 400 panneaux actuellement en France. Et on a été reçus une fois. Et ce sont des délégués qui nous ont dit un jour, « Ah, mais vous savez, votre symbole, il est en bleu. » Un bleu, il invite, et quand ça invite, ça doit être dans un carré et non pas dans un rond. Ah, c'est vrai d'ailleurs, oui, c'est vrai. Et c'est Julien Clerc, qui était dans le Cercle Bleu, qui un jour m'a dit, moi je trouve formidable ton panneau, ton symbole, parce qu'il invite, il n'oblige pas. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, je te remercie, parce que je vais aller plus loin maintenant. Allez-y. Alors, je vais aller plus loin. Alors, non seulement reconnu par le ministère de l'Intérieur. Oui. On vient de recevoir un courrier du Premier ministre personnellement disant « Le panneau que vous m'offrez personnellement, je l'envoie au maire de Prades dont j'étais le maire avant. » Ah oui, tout à fait. Donc c'était pour nous impensable. Mmh. On a été... Pour lui aussi d'être Premier ministre, il y a un an. Enfin bon, allez-y, continuez. T'es vilain. Non, allez-y, continuez, allez-y. Donc ce panneau-là, le symbole plutôt, il a été lancé à partir de l'UNESCO, dont je suis le seul... observateur civique à l'UNESCO. Sur 185 pays, je suis une association, je suis le Cercle Bleu, association Cercle Bleu, ouais. Observateur de la vie civique. Ouais. C'est une appellation qu'ils ont créée pour le Cercle Bleu parce que j'étais avec Bernard. Ouais. Et maintenant, alors là, maintenant, c'est... Merci pour ce que tu as évoqué, le code de la route. On vient d'être maintenant considéré comme expert de la fin de vie, invité à la, je l'ai dit à une de tes collègues, la conférence mondiale de la bioéthique nous demande de présenter le seul registre de choix de fin de vie du monde. Et ce registre de choix de fin de vie, une fois présenté, il pourrait être mis en, comment dire, en, non pas en circulation, mais en application, avec quel type de calendrier? Alors, non, alors... Bah, ça paraît, comment dire, quelque chose, c'est une étape tellement importante. Alors, je suis avec toi, Eric. C'est que, pour moi, nous ne voyons rien d'autre. Il n'y a pas le prix Nobel de civisme. C'est un... Il y a un maire qui m'a envoyé ça. Tu vas bientôt avoir le symbole du civisme. Non. Maintenant, la reconnaissance nationale, internationale avec l'UNESCO et mondiale avec la conférence de bioéthique devrait nous amener à une reconnaissance de ce symbole et son entrée dans le code de la route. Et c'est avec des émissions comme la tienne et tous les contacts que nous avons que nous pouvons l'envisager. Et ça sera, ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire. Parce que le symbole Cercle Bleu n'est pas uniquement, ce que tu as dit tout à l'heure, le prélèvement d'organes. Nous sommes investis d'une fonction dans quatre champs. Le champ du respect de l'autre. Et le respect de l'autre ne s'inscrit pas dans une dynamique que je dirais solidaire, généreuse, humanitaire. Non, elle se situe juste au niveau des lois. Un système régalien, il a des lois, des règles. Le Cercle Bleu s'inscrit simplement dans une démarche de civisme, c'est-à-dire le petit velours que l'on met sur des lois pour les adoucir un tout petit peu. Et moi, et nous, nous avons vu qu'il y a quatre champs dans lesquels on peut être reçu. C'est... D'abord, le premier champ, c'est la sécurité routière, comme on nous l'a demandé. La seconde, elle va te surprendre. On nous a demandé d'être partenaire de la lutte contre l'abstention pour les élections. Ah oui. Ça, je ne voyais pas venir. Mais oui, c'est le respect de la démocratie. Non, mais c'est vrai, mais je ne voyais pas venir. Alors, je peux dire, Eric, moi, j'étais choqué. Pour quelqu'un qui joue sur, en effet, le poids de l'abstention, en tout cas de la non-décision, c'est assez surprenant. Mais, et ça s'inscrit là-dedans. Ça s'inscrit là-dedans, Eric. Hein. Le troisième champ, c'est évidemment... Celui qu'on a défini actuellement, c'est
la sécurité. Alors nous n'utilisons pas, nous, les gestes barrières. Nous parlons de comportement respectueux de l'autre. Parce que c'est ça. Il faut que le geste barrière, on t'impose, tandis que le comportement respectueux, c'est toi qui l'apporte. Tout à fait. Tu vois, c'est cette nuance. Et le dernier, évidemment, c'est le respect de la famille et du corps médical en prenant une décision qui n'est pas abandonnée à sa famille et au corps médical. C'est le fameux positionnement cercle bleu. Absolument. Et ce cercle bleu, on n'a pas fini, on le sent bien entendre parler. On va arriver au bout déjà de cette émission. Sur l'espace, le temps des seniors, qui se trouve donc dans la foire de Pau.com, comme d'ailleurs vous avez l'habitude de le faire en venant à la foire chaque année, pas que à la foire de Pau, chaque année. Mon cher Georges, comme vous qui venez dans le salon Le Temps des seniors, je crois très régulièrement avec l'équipe de Presse Purée, bien on retrouve vos stands virtuels. Alors, c'est pas pour les stands, c'est pour permettre de rentrer en contact directement avec vos structures, rentrer en contact, vous laisser un message, rentrer en contact avec vos propres moyens de communication. Vous voulez rajouter un mot ? Ah oui, parce qu'avec l'âge, si c'était un temps où je courais avec deux panneaux dans les villes de France pour offrir le panneau, maintenant je suis réduit à la course. C'est-à-dire que je cours 50 mètres et je marche 50 mètres avec 8 kilos de panneaux. Ah, c'est ça la course, d'accord. Et j'ai couché pendant 100 heures pour les élections. Tu parlais tout à l'heure à mon collègue pour savoir ce qu'on a fait. Eh bien, pendant le Covid, je partais avec un panneau devant, un panneau derrière. Je n'ai jamais été arrêté. Je courais, je courchais dans les villes. Et depuis Bordeaux, Limoges, Angoulême, Poitiers, Toulouse, et puis la secteur, voilà. Ça fait un effet de belle course, ça fait une belle course. Et puis vous également, au niveau de votre association, votre structure, on retrouve donc les grands objectifs, les grandes activités. Et avec une idée, alors, pour vous, c'est de faire passer le message, hein, encore une fois, ça a été très clair. Et puis pour vous, pourquoi pas d'adhérer, hein, pour tous les professionnels de la santé. De se retrouver au moins et éventuellement d'adhérer. Encore une fois, on a des objectifs en commun, c'est effectivement de garder un contact, même si on s'en est aperçu, après la vie hospitalière assez intense, les personnes qui arrivent à la retraite souhaitent souffler. Elles ont besoin d'une rupture, d'une vacance. Et elles ne viennent chez nous qu'après quelques années, lorsque des problèmes familiaux, lorsque des problèmes économiques ou des problèmes de santé se posent. Et que là, avoir des amis ou rencontrer les personnes qui sont passées par là se trouve apprécié. Donc les coordonnées sont sur effectivement la vitrine que vous nous avez préparée. Et merci encore de cet accueil. Nous sommes effectivement des abonnés de Presse Purée et nous travaillons au Salon des seniors de manière très habituelle. Merci d'avoir pensé à nous et de nous avoir permis de rentrer dans cette fenêtre et dans cette vitrine. Merci. Bien, c'est bien normal et l'association Presse Purée tenait également à juste titre. Un dernier mot, Georges. Le dernier mot, c'est que j'ai oublié les remerciements. Alors, rapidement, il n'existe que grâce à la barrière au début. C'est vrai. Le préfet qui était à ce moment-là, qui m'a lancé carrément, et ensuite, après la barrière, il y a eu M. Bayrou, qui est le premier signataire du document du professeur Barnard. Énorme. Il était ministre de l'Éducation nationale. Et il y a eu ensuite, comme autre homme, c'était David Habib qui m'a présenté à l'Assemblée nationale, et comme dame, il y a Josy Poitou et Nicole... l'ancienne maire avant Urieta. Ah, Martine Nierkassou. Juste après d'ailleurs, juste après, pas avant, juste après. Oui, Martine, juste après. Juste après. Alors tu te rends compte avec ce panel-là. Ah oui. Alors pour terminer, j'ai quand même eu la chance de rencontrer le Dalai Lama et Desmond Tutu. Ah oui, ce qui dans l'ordre des comparaisons arrive au bon moment. Merci beaucoup à vous, en tout cas, d'être venus tous les deux. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents centres virtuels que vous allez retrouver sur la digifoiredepau.com et ce, jusqu'au 31 décembre prochain. Et surtout, utilisez la messagerie qu'il y a pour vous adresser à eux directement parce qu'ils vont ensuite pouvoir vous répondre. Ils vont ensuite pouvoir répondre à vos questions et rentrer surtout directement en contact avec eux. Et vous avez bien vu, et l'un et l'autre, qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire et à nous dire. Salut et à demain.